Donc je suis arrivée dans le quartier en 1965. J'arrivais du bois de Bléville. À l'époque, il y avait le comité Tourneville, les animations, les Corso Fleuri. Donc on se réunissait à l'école Brosselette pour faire les fleurs. On passait des super moments. On était une équipe super, c'était super sympa. Il y avait un petit peu plus de magasins, plus que là. Avant, il y avait boulanger, il y avait librairie, boucher, poissonnerie. Maintenant, il n'y a plus rien. Quartier se meurt. Sur la place, il y avait un super grand marché. Et quand c'était l'été, il y avait la foire. Ça, je suis sûre que tout le monde là ne l'a pas connu. Même mes parents, mes grands-parents habitaient un petit peu plus loin, c'est-à-dire sur la côte, du côté de la rue Edmond-Meyer. Donc ils ont démoli ce coin-là pour faire la grande barre qu'il y a là-haut. Donc moi j'ai connu leur petite maison qui n'existe plus. En ce moment, je fais la saleté du quartier. C'est sale. Tu vas te promener, t'as les papiers, t'as tout. C'est vrai, il est dégoûtant, le quartier. C'est dommage. Mais bon, les grandes herbes, tout ça, c'est affreux. Enfin, ça va encore, mais après, t'as tous les gens qui jettent, enfin, les papiers. Des cigarettes, des canettes de coca, des bouteilles en plastique, des tickets de loto, des masques par terre maintenant. C'est horrible. Là, un endroit où il y a beaucoup de voitures, mais il n'y a jamais de trottoir. Le trottoir il est minuscule, donc les voitures, si un enfant il fait du vélo, bah, il va rouler à côté du trottoir, mais la voiture, elle est vraiment proche. C'est des rues, des parkings. Il n'y a rien pour les gosses pour qu'ils puissent jouer. Même j'avais fait une pétition il y a longtemps. Et puis on m'a dit oui, mais il faut aller voir à la ville, il faut aller voir là, il faut aller voir ci, il faut aller voir taratati, taratata. Si bien qu'on a, on l'a essayé. On m'avait fait la pétition dans tous les immeubles avec les enfants. Ouais, et ça aboutit à rien. L'immeuble que j'habitais, c'était bien à côté de ce que c'est maintenant. C'est vraiment décevant. Il avait été réhabilité, ma mère avait. Ils avaient réhabilité, c'était bien. Ma mère avait changé d'escalier, un étage en dessous, c'était super bien. Mais maintenant, pour moi, c'est désolant. C'est quand même un quartier assez bon, assez tranquille. Malgré qu'on dit que c'est une voie de garage hein, chez nous, que c'est du passage, bah moi ça fait 30-40 ans que je suis là, hein, je bouge pas. C'est vrai que maintenant, moi j'aime bien la vie de quartier. On peut dire aussi qu'on se connaît beaucoup depuis 40 ans. Ça aide quand même. Hein. Quand moi je suis arrivée, on était les seuls jeunes. Et puis il y a eu un jour l'ascenseur. Alors là, c'est le tu voisinage. Hein. Parce que dans l'ascenseur, on va dedans, alors on monte, on descend, on voit pas les voisins. Qu'avant, on prenait notre temps, on descendait, oh bah tiens, bonjour monsieur machin, bonjour madame bidule, tiens, comment avalo tout dessus. Que là, non, c'est arrivé au bon moment. Et puis après, on s'est aperçu qu'en fin de compte, il y a eu du changement là-dessus. Un bâtiment a changé. Je sais pas qu'il y aurait eu un bâtiment qu'on inventerait pour la communication, pour chacun retrouve les uns les autres. Je sais pas, une sorte de fête de voisins, mais tous les jours. Qu'il y aurait une maison comme ça, qui changerait la mentalité, le caractère de chacun. Oui, c'est une idée. Hein. Les appartements, ils changeraient un immeuble, mais plus cool. Là, t'as un carré, bah c'est leur appartement, il peut faire ce qu'il veut dessus. Moi, je mettrais des plantes, plutôt des potagers, un espèce de potager, et des photos d'animaux. Un immeuble avec des balcons, parce que là, on n'a pas beaucoup d'immeubles qui a des balcons, et des grands. Les chiens qui aboient, et les voitures qui roulent quand on fait la grasse mat. Ou alors ce serait un centre médical ou un truc comme ça qui pourrait. Ça pourrait être bien. Bon, là-bas, place de Conin, qui est un centre là-bas, mais là,
Devant l'église Sainte-Jeanne d'Arc, quand il y en avait un, moi j'en ai connu un, j'ai une amie qui y travaillait d'ailleurs, j'en ai connu un pendant des années aussi. Hein. Ouais. Oui, déjà avec la nouvelle fabrique, déjà ça va animer quand même, oui. C'est un bâtiment qui était une école, enfin c'était un groupe scolaire initialement, le groupe scolaire Bourreau-Solette. En fait, ça c'était l'école maternelle et il y avait un bâtiment qui était l'école élémentaire qui a été rasé. Et on a donc construit ce bâtiment-là à la place. Et alors je ne sais pas à quel moment cette école a fermé, mais enfin bon, il y a une époque donc, où elle a fermé. Et là, depuis quelques années, elle accueillait à l'étage le centre de formation pour les agents d'avis du Havre. Et au rez-de-chaussée, c'était l'association Lénine, l'association pour les jeunes. Donc, je le disais, donc là, l'épicerie. Donc là, on fera devant la future cuisine pédagogique. Toute une zone de bureaux. Le parking sera réduit et sera plutôt dans ce sens-là. Et après, on a vraiment une grande partie en espace vert. Vraiment. Voilà. Derrière nous, on a la cage d'escalier. Et donc là, on est vraiment pile poil sur le dortoir. Et après, on retrouve toutes les salles d'activité qui se déclinent les unes après les autres. On garde les menuiseries existantes qui n'ont pas été changées il y a si longtemps que ça. Mais oui, la terrasse sera accessible sans aucun problème. Disons qu'il y avait tout un tas de petites choses en fait qui étaient dégradées et qui étaient de toute façon à refaire. Bon là, de toute façon, vu le programme, il n'y avait pas d'autre choix que de refaire parce qu'il ne répondait pas en termes d'activité à l'occupation à venir. Mais bon, c'était un bâtiment qui date des années, fin des années 50, bon, qui est plutôt de bonne facture. Quoi. Enfin, en tout cas, voilà. C'est vraiment juste les habillages, etc., ouais, qui ont été faits autour, qui étaient bons à déposer. Mais les bancs en béton, les petites patères, toutes ces étagères étaient d'origine de la construction, en fait. Ça, on le conserve. Comment ça pourrait évoluer? Ben, j'espérons bien, premièrement une. Y a ça aussi, on ne nous demande pas toujours notre avis si tel et tel endroit doit disparaître ou autre chose apparaître. J'aurais bien aimé, moi, avoir tu vois, un genre de. Pas supermarché, mais un petit peu plus grand, quoi. Quelque chose qu'on puisse. Pas prendre la voiture sans arrêt pour aller faire les courses. Bon, on irait tranquillement, même si on a 10 ans de plus, prendre notre petit caddie, puis dire « Oh, j'ai oublié quelque chose, bah, j'y retourne parce que ça va me promener. » Ça, j'aimerais bien. Les maisons seraient électriques. Bah, on dit « fenêtre, ferme-toi », bah, la fenêtre, elle se ferme. Et les maisons, on dit « change de couleur », bah, ça change. Et des endroits de jeux pour les enfants, parce que là, on n'en a pas beaucoup. Là, quand je vais chez ma grand-mère, je n'en vois qu'un. Là, un petit jeu, mais c'est juste un toboggan et un château. En fait, t'as juste à monter, descendre, monter, descendre. C'est un petit peu ennuyant. Un petit chantier. Oh, le pinceau, pour la propreté. Oui, pour faire du propre, parce que tout, parfois tout est négligé, c'est un peu... c'est un peu laissé aller, alors... Une pelleteuse, pour enlever tout, pour tout refaire, et puis... Oui, pour gratter tout ce qu'il y a, et enlever tout, et refaire un œuf partout. Un marteau, pour taper. Une pelleteuse, pour creuser. Ou alors, attends, là aussi, un autre truc, là, avec une boule qui était tout. Une polquette émolition. Alors, j'avais dit un crayon, mais on m'a dit, ben non, c'est pas un outil. Parce que moi, je dirais, ben, je suis là pour faire tous les dessins de tout ce que je veux, de tout ce qui va être beau. Beau ou moche, mais on va voir pour les uns, ce sera peut-être moche. Et puis, Annie qui a dit, ben non, c'est pas un outil de travail. J'ai dit, bon, allez, une bétonneuse. J'ai la bétonneuse, comme ça, tu feras des beaux murs qui tiennent bien droit.
Ah, il y a eu du boulot, hein. Je dis, bah, vaut mieux rêver un peu, hein, ça fait du bien. Ça, on paye pas encore l'impôt là-dessus.